rentré tard hier soir, toi. Non, non, pas trop. Bonne journée. Marie, quand elle veut, c'est vraiment la championne des non-dits. Ça va? T'as l'air préoccupé. Non, beaucoup de boulot, mais ça va. On la voit plus beaucoup, Mélanie, en ce moment. Elle va bien? En fait, on se voit plus trop. Tu veux dire, vous sortez plus ensemble? C'est ça. Tu nous avais rien dit? Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Bah, c'est une nouvelle, quand même. Ça fait plus d'un an que tu la fréquentes, quand même. On n'était pas fiancés, quand même. Ah. Bisous. Bonne journée. Il est fort, Pierre. Il s'en sort toujours par une pirouette. Alors, on la verra plus, Mélanie? Bon. C'est pas moi qui vais pleurer. Je pouvais pas l'encadrer, Mélanie. Il a bien fait de la larguer. Bonne journée, bonhomme. Demain, au lieu de commencer le basket, on pourrait se faire un dîner en tête-à-tête, tous les deux. Ouais. Ouais, d'accord. Tâche de ne pas jouer toute la journée sur ton ordinateur. Non, non, je vais relire les cours. Puis j'appellerai Coralie pour qu'elle me fasse seule la journée. Dis-moi, Romain, entre cette Coralie et toi, il y a quelque chose? Non, pas du tout. Non. Alors là, t'as tout faux, là. Ouais. Moi, question pirouette et non-dit, c'est complètement foiré. J'ai deux mots à dire à ton grand-père. Puis après, j'y vais. D'accord? Elle fait trop chier ce matin, maman, avec toutes ces questions gonflantes. Maintenant, elle va sûrement tout raconter à papy.